Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff de live sur le Not So Berry. Alors pour pas vous cacher, on vient de regarder la Gamescom avec le reveal du trailer du prochain PAX Sims 4. Et je pense qu'il y a à peu près 90% des personnes dans le chat et moi-même qui sont juste dégoûtées. Voilà! Donc si l'ambiance est un peu chelou, c'est normal. Et donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va accueillir le premier bébé de la génération orange puisque Lilat est en cloque. Niveau de célébrité perdu. C'est pas grave. Et ils vont nous... Donc voilà, ça va être une grande décision aujourd'hui puisque nous allons décider de ce premier enfant. Enfin, décider de ce premier enfant. Décider du nom de ce premier enfant. Premier enfant. Je vais y arriver. Ouais, enfin bon, ça m'intéresse pas quand même, Marie, hein, je veux te dire. C'est clairement pas un truc qui me branche. Hein. Ah, putain, il avait déjà voulu manger. Bon, écoute. J'adore les roues, donc hâte de voir le potentiel du prochain héritier. Les roues chez moi, c'est. Ah, bah, il y a encore les cafards qui sont de retour. Chier. Non, mais c'est quoi ces appartements là? On a déménagé, on s'est dit, c'est un appart, il n'y aura pas de problème, on a quand même des cafards, quoi. Bon, Lila, elle dort, je veux dire, elle mange. Non, 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 elle dort. Elle a vendu ça, faudra le mettre sur Plopsy, hein. Je crois qu'on avait galéré à la faire tricoter. C'est vrai qu'on doit toujours faire les compétences. On avait atteint la compétence suite avec la peinture seulement. Et je vais. Faut qu'elle tricote. En vrai, elle va prendre un jour là. Tu vas prendre un jour, cocotte. On s'en fout, hein. Parce qu'elle peut prendre un jour de congé. Elle va pas aller bosser, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oh là, je suis enceinte et je peux pas aller travailler. Zafo! Oh bah, Justine, qu'est-ce qui s'est passé? Et Reluta. Je perds si Justine prend une maison. Non mais oui, on va déménager après. Mais qu'est-ce qu'ils sont, hein? Alors, vous êtes, hein? Bon, je termine pas mes phrases. Non mais oui, bien sûr qu'on va déménager, on prendra une maison quand on pourra. Pour l'instant, le petit pourra aller là. On va réaménager cette pièce. Imaginez la gueule des PNJ avec le nouveau pack. Non, je préfère pas. Quel enfer. Les petits, non, les petits. Ah, on verra, on verra. Après, c'est une maman qui est jumelle, hein. Ah merde, il va bosser. Ah bah, va bosser. Bah, c'est toi qui vas t'occuper des cafards. Allez. Va y travailler. Allez, coupe-toi des cafards, dépêche-toi. On a plein de trucs à faire avec toi. La dernière fois, on a eu des mouches aussi, hein. Pas de soucis, Popo, à bientôt! Oh là, regardez-moi le bide! Qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-le tranquille, lui! Philippe Lefebvre! Rentre chez toi, là, t'es en petite tenue, là! Va bercer ton enfant. Alors, c'est bon. Elle doit aller pisser. J'allais dire, je vais enfin la faire tricoter. Mais non, madame, elle préfère la pisser. Va pisser! Après, tu reviendras tricoter. Tricoter. Alors, reprendre le coup de tricot. Pouf, vert, orange et bleu. Tricoter, objet. Tricoter des tapis. Un tapis jaune. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, c'est énervé à cause des cafards. D'accord. Ah bah, tricoter aux chiottes, j'avais oublié. Qui tricotait aux chiottes? Pour notre santé mentale, arrêtons d'en parler, évidemment. Ça n'a jamais existé. Comment que... Non, je connais pas. C'est pas un pack Sims 4, ça, c'est pas possible. Non. En vrai, je vous dis, je sais même pas si je vais le... Si je vais le demander, hein. Si je veux vraiment faire des vidéos dessus. Hein. Je vais réfléchir avec moi-même. Je vais vous poser peut-être la question. Puis voilà. Je me demandais justement s'il pouvait tricoter sur les WC. Ouais, si. Ah, on l'a vu dans le trailer, tu vois que c'est possible.
Puis elle a fini, hein, mais elle reste quand même dessus parce que c'est agréable aux toilettes, tu vois. Au moins, c'est vrai que si elle a besoin d'y retourner, elle est déjà dessus, tu vois. Elle a juste à lâcher les vannes. Hop! Bon, l'objectif, c'est aller au niveau 8, hein, cocotte. Tricote. Tu me saoules. Il y a les corps, les cafards, j'en ai marre. De faire du pain perdu. Bon, ça va être un gameplay pas du tout intéressant parce qu'elle est toute seule à la maison, parce qu'elle va faire. Mais bon, on perd pas de vue qu'il faut les objectifs de la. De la génération. 6 compétences au niveau 8 et 2 au niveau 10. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup. Quelle multitâche cette là, c'est ça. Elle va nous pondre son mioche en VC. Ah bah au moins, il aura un bain direct, hein. Il sera béni tout de suite. Tu demandes, tu me fais. Bah non, parce que si je le demande, faut que je fasse une vidéo. Oui, alors on a noté déjà des prénoms. Mais Fauve, Crime l'a utilisé, donc c'est mort. Je vais pas le prendre. Comme ça, c'est fait. Je vais essayer de prendre des prénoms qu'elle n'a pas fait. Parce que même si elle m'a copié et qu'elle a pris le prénom de Lila, c'est oui, Lila, la mienne, elle est née avant la sienne. Suffit, hein. Moi, je vais pas voter, je vais pas prendre ces trucs. Ah, oh, salut. Vas-y, viens. T'as toujours pas trouvé de mec, Lavande? Il va falloir, hein. Ils sont restés célibataires, ces sœurs, hein. Pour la seule fois où je casse pas les enfants. T'as mis ton truc sur Plopsy? T'as pas encore envoyé le bonnet, mais c'est pas vrai. Je vais la mettre en vente. Regardez, elle est triste, elle est comme moi dans la vie. Elle est triste. En vrai, j'ai envie de voir ce que ça va donner en jeu. T'as quoi pour l'instant dans ta liste? Alors, j'ai Capucine, Aurore, Cannelle, Clémentine, Orangina, Mimolette. Pour les filles. Bah, elle s'est barrée, ta sœur. Ah non, elle est là. Pour les garçons, Copper, Safran, Tanner, Rusty, Brick, Soucy, Cheddar, Kenny, Fanta. J'ai envie de dire, Yana, c'est vraiment de la daube, hein, mais bon. Mais mange! Putain, et elle va rechier, repisser. Tu sais qu'on va jamais y arriver, Lila, si tu mets pas du tien, là. Vas-y, elle a piqué! Connasse! Elle a piqué l'assiette! Il est 15 h, elle a rien fait de sa journée. Ouf, accouchement dans, on ne sait pas. Va falloir que je prévoie la chambre là. Mais elle a un problème, sa sœur. Elle tape dans l'assiette pour aller taper dans un autre truc, quoi. Bonjour, ça sent bon chez vous. Mais dégage! Mais monsieur. Hein? Putain, j'arrive même pas à zoomer pour voir sa gueule. Il est où, lui? Non, tu sers. Non, t'es moche. Alors, oui, bah écoutez. On va y aller tout de suite pour faire le. Hop. Non, ça, à la limite, je peux le laisser. 63 simflouz, ça. Ah, mais ça, c'est chiant. On va le mettre là. Ça, on le vend. Quoique non, je peux le laisser là et c'est l'autre, c'est ce truc-là que je vais mettre ça. Pour qu'il puisse faire son sport. Et là, on va faire la chambre de bébé. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le miroir. Bébé! Bébé! C'est où déjà? Je ne sais plus. Décoration pour enfants. Lit. Ah, moi, depuis que.
C'est toujours ce truc-là, hein, là vraiment. Hein. Alors je mets en blanc parce que l'orange, j'aime pas. J'aime pas l'orange, si regardez, il aura un nounours. Pas trop l'eau prouée, sinon elle pourra pas aller accoucher. Ça. Voilà, c'est orange. Allez hop. Voilà! La chambre de bébé est prête. En film, j'aime bien Oran, un dérivé du prénom Aurore, c'est déesse de l'aube. Ah, c'est joli! Moi, je dis famille from Dieu. Elle a pas la chance d'avoir un titi pour leur donner le sourire instantanément. Oh. Mimolette. Non, j'ai pas envie d'être dérangée. Bon, tu bouffes. Niveau 8 hein, aujourd'hui. Elle a pas encore envoyé ça? Eh, c'est pas possible. Allez, elle va y aller. Reprendre un projet de tricot, pouf. Tu vas faire ton pouf et tu vas tricoter. Tricoter des pulls. Y a rien en orange pour les enfants, c'est dommage. Pour quand il sera enfant. Tyrion! Tyrion l'a pâté! Oh purée, je vous jure. Toi, tu vas avoir une claque, hein. Un de ces quatre. Ouh! Cassez couille, hein, ces deux-là. Désolé. Ouais, poule moutarde pour homme. Désolé pour cette intrusion. Voilà comment j'élève mes gosses. Ils ont trois au cas où. Non, non, c'est bon. Ah la vache! Elle a même pas besoin de toucher autre. Mais elle a même pas bouffé. Et elle est fatiguée. Et elle me flingue. Tu me flingues, Lila, là. C'est pas possible, les Sims. Hein. Ils vont me rendre chèvre. Hein. Chèvre de ce. Mais tricote ta mère, toi aussi! Mais elle fait. J'en peux plus, moi. Sa sœur, elle serait pas gloutonne. Oui, oui, si, si, normalement, oui. Salut, jus de pomme, comment ça va? Pareil, nous, jus de pomme, on était dessus aussi. On était dessus. D'ailleurs, l'automode n'a pas pris retard. C'est bien. Bah, non, mais tu peux pas rentrer chez toi? Viens t'occuper des cafards. Elle continue à rebouffer là. Ouais. Tu vas t'occuper des cafards, je suis content qu'il n'y en ait plus. T'en es où, Lila? Ah, on y arrive, on y arrive. On y arrive. 392, c'est bien. Allez. Allez, allez, allez! Ah, Lila est dit. Bah, en même temps, avec son look un peu. Que j'ai voulu lui mettre un peu rebelle, ça lui va bien. Hein. Du coup, elle est exactement dans son rôle. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, je vais plus les laisser rentrer parce que ça commence à être chiant. Allez, 90%! Oui! Plus que 10%! Et en plus, on pourra faire des grenouillères pile pour les petits bébés orange. Ce sera parfait! Oui, regardez, 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 regardez! On s'en fout, toi, dégage, crève! 98, 99. C'est un niveau 8. Ah! Ça fait du bien. Maintenant, on va pouvoir faire des petits tricots pour les petits bébés. Vêtements tricotés. Grenouillère pour bébé! Et c'est là qu'il n'y a pas orange, si. Jaune et orange, ouais bah écoutez, on peut pas... Hein? Ce sera ça. Il va faire ça pour son enfant. Nous sommes donc à 2. Oh putain, t'as niveau 8 de 6 compétences. Oh la vache. Sinon je pense maxer le tricot comme j'ai déjà dit. Hein. Ouais, c'est bien. C'est pas ça que je t'ai demandé de tricoter en fait, meuf. Elle tricote des trucs, elle, c'est pas ça. Non mais, tricote, hein, je te jure. Le pull abandonné, médiocre. Dear Roy,
Ah mais elle l'a déjà fait? Médiocre. Non mais... Quoi, projet de tricot terminé? Mais elle a un problème. Oh vas-y, hé, hey, tu me pètes les noix. Va dormir. Franchement, tu me saoules. D'ailleurs, tu vas pisser avant. Ah là là, c'est bon là. Gavage. Toi, va manger. Va te doucher, t'étais occupé des... Il y a encore les cafards, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Je t'inquiète qu'elle va reprendre. On va pas l'emmener au boulot encore une fois, hein, moi je vous le dis. Elle dort, mais. Les femmes enceintes. Remarquez, c'est pire dans les Sims 2, hein, ça on l'avait bien testé. Hein. Bah, faut, je sais pas. Il y a plus de cafards! Et ça, c'est. C'est pourri. Bah, tu peux. Non, pas manger. Jeter. Mais qu'est-ce que t'es, toi? Dégage, on te connaît pas. Foucan. Comment? Ouais, bah écoutez, moi, c'est pas possible, les gens qui viennent toquer à notre porte, là. Putain, mais mec! Et après, on s'étonne qu'il y a des cafards, quoi, wesh. Non, mais t'as hâte de bouffer, mec. Tu t'occupes tout de suite des ordures. Je suis encore le truc d'ouvert sur la Gamescom. J'ai oublié d'éteindre, de fermer. Pareil, madame. Hein. Vous pouvez partir. Hop! Ah, je sais pas ce qu'ils ont, mais on va se remémorer à quel point elle était belle la semaine dernière. Hein. Magnifique. Elle était très belle. Elle est toujours, mais... Voilà, ça dort. Mais elle, depuis tout à l'heure, elle dormait, elle avait même pas remonté. Moi, je trouve qu'il y a un problème avec cette Sims. Regardez, elle monte que d'une truc, alors que lui, il monte de trois. C'est pas normal. J'ai un problème sur cette Sims. Elle va pisser, va, tu fais que ça. Ouais, c'est ça. Oui. Ah, punaise! Voilà, tout dégueulassé, c'est pas possible. Hé, hey, mange, arrête de faire tes conneries, toi. Après, tu vas tricoter. Est-ce que je tricote? Bah si, je vais refaire le truc. Eh ben, elle peut pas prévoir tout de suite. Elle peut pas. C'est une rebelle, c'est ça. Si j'ai un cage par rapport à là, ma co bug beaucoup. Pas de soucis, Justine. Ah oui, là, avec le balayage glamour. Le balayage glamour? Le balayage? Non, mais la risette, c'est toutes les semaines qu'elle est risette, la meuf. Tac, allez. Hop, j'ai tricoté! Vêtements. Grenouillère pour bébé. Allez, tu vas m'en refaire une. Et pas médiocre, cette fois-ci. Ça... On peut même pas la... Tu vas le détricoter. Et puis ça aussi. Tant pis. Cela, il y a bébé qui va arriver. Je sais pas à quelle heure, mais... C'est bien. Occupe-toi de la poubelle. T'as tout compris. Elle va tricoter jusqu'à temps qu'elle ait le truc qui soit bien, là, comme ça. Pas qualité médiocre. Pour qu'on puisse habiller notre enfant. Ensuite, on essaiera de passer à une autre compétence, comme la cuisine, qu'on est au niveau 6. Ah, punaise! Bah, elle finit le truc avant. Arrêtez de dire les, il n'y en a qu'un. Mais il est quelle heure, là?
Et à peine 7 h du matin, d'accord. Eh, fini! T'as fini ton... Ah non, j'ai pas fini. Mal barré. Mais il est où ton projet? Mais elle a pas fini! Comment vas-tu habiller ton enfant? Espèce de mère indigne! Hop là! Non, vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse. De toute façon, ce que je... on va faire les prénoms, tout ça, on va faire le vote. Bah, ça coupe dommage, encore j'appelle ça un balayage, mais c'est une technique qu'on va faire. Ah d'accord, oui, parce que c'est... Moi je pensais que balayage, c'est avec des couleurs, quoi. Ce stress. Pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital, elle va même pas à l'hôpital se faire charcuter le vagin, quoi. La mère a déjà accouché, ça met même panique préparentale. Vous êtes prêts à être déçus? Je sais pas, je sens le garçon. C'est un garçon. Déception! Et déception, si déception. Alors! Dans la liste, Copper, Safran, Tanner, Rusty, Brick, Souci, Cheddar, Kenny, Fanta. Bon, je vois bien Copper. Déjà. Si vous avez d'autres idées. Parce que de toute façon, on va avoir un vote sur 3 prénoms. Franchement, un garçon, bof, quoi. Après, s'il est beau comme Bordeaux, je m'y ferai. Hein. Mais, bon, héritière. Attention, ce sera donc... Oh la vache. À une voix près, c'est Copper qui gagne. Yes! Je suis contente, c'est donc un enfant. C'est donc un garçon qui s'appellera Copper. Et voilà. Et ça va, il n'y en a eu qu'un. Et tu peux l'allaiter et le bercer. Non, non, mais tu vas pas bosser, toi. Attends. Je suis con, j'ai pris un genre de congé au lieu de prendre un truc familial. Ah, tu dois retourner. Non, mais t'es chiante. Hein. On a autre chose à faire, hein, que s'occuper de ton corps, là. Hein. Et non, pas de jumeaux. C'est moins drôle, mais c'est très bien, Copper. C'est ce que je préférais. C'est vous qui avez choisi, hein, c'est pas moi, hein. J'avais voté Safran, mais j'ai hésité avec Copper, quand même. Marie, sois pas si vulgaire, voyons. Il n'y a que moi qui suis vulgaire. Bah oui, Copper, ça veut dire cuivre. Exactement, on a bien eu Pulco, alors pourquoi pas Fanta, hein, à la limite. Hola, ma chérie, cœur violet, cucu le chat hâte. Salut Martial, tu viens juste de louper les votes pour la venue du premier enfant. D'ailleurs, on peut habiller maintenant. Mais tu l'as pas, la machin, là, tu te fous de ma gueule, en fait. Tu l'as pas faite. Ah bah non, elle a accouché, madame. Mais non, mais Dan, il va s'occuper de ses fesses. Mais Dan... Junior vient de rentrer de travail, moi, ça va bien? Dan, il doit bosser, mec! Alors? C'est pas comme ça que l'argent va venir à la maison, hein? Je suis énervée, ah bah ouais. Et pourtant, tu devrais être contente! Toi qui aimes tant les hommes, pas les garçons, dans les Sims. Bon, ça va! Enfin, donc, tu n'as pas vu Martial tout à l'heure? On a regardé la Gamescom en direct et on a vu le trailer du prochain pack Sims? Voilà! Ah putain, il se met déjà à gueuler.
n'a même pas le temps de dire ouf! Tu vas te taire, sale mioche! Non mais viens là, ton machin qui demande d'attention là. Mais non, mais elle travaille pas, elle a pris un jour. Hein. Non, je comprends rien. Moi. Tricoter. On va essayer de monter l'éducation. On essaie tous d'oublier, c'est ça. Berceux un peu trop près du mur, ça le calmera peut-être, j'avoue. Bon, vas-y, tricote là. Ah la vache. Au moins faire ça là, tu imagines pas le temps qu'on a perdu? Mais elle est refatiguée. Elle soude ma gueule! J'en peux plus. Elle soude ma gueule. Allez, hop, projet de tricot terminé. À mettre la grenouillère pour bébé. Vas-y, on s'en fout le réveil, hein. Ah, voilà notre enfant, il est en orange. Putain, mais on peut rien faire avec cette Sims. Elle fait... C'est pas possible, il est midi. Mais regardez, elle dort pas. Elle récupère que... une flèche dans le lit alors que son mec il récupère trois flèches. Ah oui, elle s'appelle plus comme ça. Ça changera rien. Hein. Ça sera buggé de chez buggé. Hein. C'est intrinsèque à son corps. Mais Justine, vous regardez pas mes vidéos, vous, hein, c'est ça, hein, je me remarque en live, hein, à chaque fois vous découvrez des choses, mais c'est juste parce que vous regardez pas mes vidéos. J'ai fait des vidéos exprès de présentation du pack tricot. Et on les regarde pas. En même temps, je vois bien parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues dessus. Je préfère les étalages pelous, pardon. Du coup, petit machin, voilà. Bon, c'est plus jaune qu'orange, hein, mais... Elle est content. Ah, je suis un peu dégoûtée. Hein. C'est vraiment la journée des dégoûtages. Merci, Martial. Avec sa grosse tête, c'est ça. Je regarde pas les présentations de Pâques à Dunkid, j'avoue. Ah bah voilà. Du coup, tu rates des trucs. J'avais tout regardé, moi j'ai une mémoire de poisson. Parce que j'ai fait le niveau 1 à 10 en fait pour savoir qu'est-ce qu'on tricotait de chaque niveau. Et j'avais fait faire un bébé exprès pour pouvoir voir la grenouillère. C'est la seule chose qui m'intéressait moi, un petit peu. Mais regardez, elle dort pas! Ça me flingue. Cette Sims, elle est buggée. Ça me saoule. On va pas mettre un truc à 10 000, quoi. C'est un censé être énergie 8. Elle récupère rien, quoi. Je vais remettre le lit que Dan, il avait. Puis elle ira dormir dedans, hein. Moi, je peux... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Mais... J'aimerais bien le récupérer, en fait. Voilà. Hein, y a un lit ici. Bah, écoute, tu vas aller dormir dans le lit à côté, hein. Qu'est-ce que vous... Oh, le chien là, commence pas. Voilà, niveau 2. Non, c'est pas le lit. Non mais je vais pas tricher Lily, hein. C'est pas le but. Hein. Alors déjà tu vas bouffer. D'ailleurs tu vas refaire à manger.
Pasta primavera, ça pue dans mon immeuble, il y a encore quelqu'un qui fait à bouffer qui pue. Je suis ravie. Ça pendant ce temps-là, elle travaille sa cuisine. Ah non, cuisine gastro! Tant pis. Tiens, tu peux parler à ton gosse aussi pendant qu'on y est. Qu'est-ce qu'il a? Mais allez, elle est tout le temps crevée, c'est insupportable. Elle va dormir. Qui c'est quoi? Oh, c'est son père. T'es un peu sénile, non? Tu t'es trompé de... Pourquoi tu regardes le mur, monsieur? Non, mais elle récupère le... Une flèche. C'est pas logique. Elle est buggée. Elle est morte buggée. Bon, des bisous, Justine, à bientôt. J'avais lu niveau 9 de la compétence éducation. Commentaire pépite, bah des bisous à toi, à bientôt. Mais qu'est-ce qu'il... Ah oui, il va dire bonjour à son père. Si on veut, commentaire pépite. Hein. La déception qui tu vois. La vie est full of déception. Hé, hey, papa! Je suis papa, moi aussi. Tu es grand-père. J'ai eu un fils. Il est piché les voisins, c'est ça. Mais elle récupère pas! Mais c'est pas possible! Mais... Vous voyez bien qu'elle récupère rien, là, on est en vitesse 2. Elle récupère rien, elle arrive pas à récupérer. Elle est buggée au niveau énergie. Attendez, moi je vais regarder parce que si on peut avoir un truc là pour ça, parce que ça va me gaver. Hein. Corpulence, minceur, chasseur d'orage, hein. Oiseau nuit, 6 du matin, et, hein. Dépendante. Petite dormeuse. J'avais vu... Putain, il y a des trucs que j'ai jamais vus en vrai. Toujours rassasié. Petite dormeuse du coup. Écoutez, on va faire ça parce que c'est chiant. Il y avait un jamais fatigué? Eh ben merde alors. Je suis vraiment une merde, moi. C'est pas possible. Ouais, mais à 10 000, j'aurais pas pu l'acheter, de toute façon. Vas-y, change de lit. Parce que quand ton mec, il dort dans le lit, tu dors mieux. Regardez. 3 flèches. Et elle... 1. Il y a un problème. Il y a un vrai problème sur cette Sims. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai rien fait. C'est d'un seul coup, ça arrivait. Tu peux rien faire. Elle dort depuis midi. Et en plus, maintenant, il y a trop de bruit pour qu'elle dorme. Non, mais... Oh non, mais là, je vais péter un câble. Hein. Ah, je vous le dis, hein.
Est toujours si crevé? Ah, potion de remplacement de sommeil, ouais. Ah non, parce que là, c'est impossible, hein. Merci. Non, j'ai déjà fait ça la semaine dernière. J'ai déjà changé de lit et ça n'a rien arrangé. C'est complètement buggé. C'est incroyable quand même, j'ai jamais vu ça. Je t'ai demandé de changer sa couche aussi pendant qu'on y était, hein, mais bon. Merci 06 pour ton follow. Arrête de te plaindre. Wouah, ça a remonté à peine à la moitié. C'est pas possible. C'est vraiment de la merde dans ce jeu. Je sais pas, moi je fais tout ce qu'on peut faire. Hein. Serrer dans les bras, parler. Voilà, vas-y. Ouais, monte ton éducation. Hein. Bon, ils vont en refaire un deuxième, évidemment. On va pas rester sur un échec. L'arnaque, la potion, c'est ça. Elle a plus de points, toi. Il reste 380 points. Lui, c'est vraiment un gland aussi, hein. La mère qui harcèle son gosse, tu sais. C'est juste pas possible. Cucu tous le monde, cucu Shirley. Salut Oniri, comment tu vas? Ça peut faire une belle petite... Une belle petite... petite... miniature. Arrête, laisse ton gosse tranquille, je crois. À un moment donné, il va péter un câble, ce pauvre gosse. Éducation niveau 3. Ah bah tu vois, il t'aime plus. Oh, mais je t'ai demandé de réparer et d'aller aux toilettes. Mais elle est grave. C'est une vraie thug. Ah, ça y est, tu l'as vu. Bah, pas de soucis. Bah nous, on a vu autre chose. Hein. J'espère que t'es plus ravi que nous. Hein. Oh non, le tapis qui s'envole. Oh non. Bon, par contre, elle perd pas en énergie. Donc ça, c'est une très bonne chose. Si elle perd pas en énergie, on va pouvoir s'atteler à certaines choses. Tiens, tu peux jeter ça. Et tu vas faire de la cuisine. Les raviolis. Allez, tu vas faire une portion individuelle. Tu vas cuisiner. Gâteau. Tu vas cuisiner. Salade de fruits, portion individuelle. Faut monter les compétences, les enfants. C'est vrai, il faut que j'enchaîne avec un bébé. J'avais oublié. Si je peux t'envoyer une photo de ma fille. Bah, pas de soucis si tu veux, mais bon, moi, je, comme j'ai dit tout à l'heure, après, je suis pas très bébé, mais bon, quand tu veux. Toi, t'as décidé de faire chier ton monde, ouais. Elle doit y aller dans le frigo, là. Sérieux, mais regarde, voilà, mais maintenant elle fait plus rien de ce que je lui ai demandé de faire. Oh, putain de Sims de mes couilles. Elle dégage, fous le camp. Dégage. Rentre chez ta mère. Excusez-moi pour la violence, mais là c'est bon, j'en ai ras le cul là. Ils me rendent dingue ces Sims. Ils me rendent dingue. Dingue. Zine, visage avec des larmes de joie. Zine. Non, Niri, demain, il n'y aura pas de live. Demain, je vais boire un coup, ça va me détendre. Oh non,
franchement, c'est quoi ça? C'est quoi cette journée de la déception? Merci la petite patate pour ton follow et bienvenue à toi. Ah, tu manges pas, hein, par contre. Non? Plus, t'as jarté le gâteau que je t'ai demandé de faire, mais c'est pas grave. Voilà, ça va faire un niveau 7. Et lui, il s'assoit, il va bouffer. Oh, arrêtez de vous faire des mamours, les deux. Ils ont envie d'en faire un deuxième! C'est ça, soyons zen. Oh non, je suis dégoûtée là, c'est bon. Déjà ce pack et après cet enfant. Voilà, niveau 7! Bra 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 bra! Non, t'es pas obligé de manger en fait. Faire un gâtal. Moi aussi, je veux faire un bébé. Bah, écoute, vas-y, hein, fais-le. Je sais pas pourquoi t'as... Mais bon, voilà. Oui. Oh, le beau gâtal! Super. Hop. Ça, on a validé un niveau 7 en cuisine. Attendez, elle a niveau 7 et elle est déjà à 7, 60, 73% du niveau 7? Bon, ils ont le feu au cul, les deux, hein. Ils ont tous les deux, ils ont le feu aux fesses, hein. Attention, hein. Et ça te dit qu'on en refasse un, je te saute dessus, tu me montes dessus, on fait des trucs comme ça. Oui! On va faire une fille, quand même. Ce serait dommage de rester qu'avec un mâle. Qui va bientôt brailler, je le sens. Hein, tu vas bientôt brailler. Ce pauvre Copper qui s'est déjà clash alors qu'il est né il y a moins de 10 minutes. Non, en vrai, ça peut être sympa les garçons, mais... Je sais pas. Je sentais que ça allait être un garçon et que j'allais être déçu et je le suis, tu vois. Un nous bouchons les martiales. Non, il faut pas rêver. Hein. Moi, je ne veux pas porter d'enfant, ça va pas. Non. Essayer de faire un bébé dans la douche, exactement. Non, pas dans la douche. On va faire ça à la classique dans le lit. Hop. En même temps, avec qui tu veux essayer de faire un bébé, toi? Ça te dit que... Oh! Oh oui! Oh, pendant ce temps-là, on va aller regarder. Regardez ce joli petit portrait de deux. Oh! Quand ils se sont mariés la semaine dernière, comme ils étaient beaux. Et puis là, c'est les anciens héritiers. D'ailleurs, Adonis est décédé, mais pas Nuage encore. Enfin, ça va pas tarder, à mon avis. Voilà, ils sont là, ils sont beaux. Et puis, bon, après, faut aller dans la chambre, hein, pour la... Là. Pour les autres photos qu'on a faites la semaine dernière. Du mariage. Je pense que tu lui as fait un truc pas catholique là. Ça a l'air de bien se passer, hein? En voiture, Simone. Oh, mais ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh la vache. Mais pourquoi tu veux pas dormir dans le lit, toi? Ouais, elle récupère toujours aussi mal dans ce lit-là. Lila dort mal dans ce lit-là. Ah, oui, d'accord. Mais il y a une faille spatio-temporelle ou... Toi, tu vas me prendre un jour de congé? Je m'en fous, tu vas pas bosser?
Vas-y, gueule. Non mais je veux pas de gosse, Martial. Oh, bras, non. Je suis même pas sûr que ça ait marché. Je vois qu'une seule flèche. Alors, moi j'ai l'impression que ça va être le live pourri quoi. C'est vraiment pleure tu pisseras moins, c'est ça. Oui bah. Allez, niveau 4, allez hop. La relouée avec son gosse, tu sais. Qu'elle le harcèle et tout. Alors? Ah si, c'est bon, ça a marché. Elle va tirer à prendre une douche. Il faut que tu dormes, hein, meuf, hein, c'est pas possible. Je vais lui refaire boire ça. Hein. Alors, elle veut lire un livre à la bibliothèque, se donner la clé de l'appartement et améliorer ses compétences d'éducation. Mais t'inquiète pas, l'éducation, je vais la piner d'ailleurs. C'est un but. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi? Faut qu'on améliore... Bon, on va faire la cuisine. Elle a déjà un sacré bidou, hein. Alors, tu vas me faire ça et tu vas me faire de la cuisine. Des haricots saucisses. Pour péter tous en cœur. Voilà. Elle a remonté sa fatigue, son énergie, quoi. Le charisme, le bien-être. Enfin, le bien-être, elle peut plus, elle est enceinte, ça y est. Déjà ? Mais il y a un problème dans mon jeu ! Je viens de regarder la cuisine, on était encore à 20%. En même temps, moi tant mieux, hein, mais ça m'arrange, mais je comprends pas. Pas normal, entre le lit qui fonctionne pas pour elle et les compétences qui d'un seul coup font des jumps comme ça, c'est très bizarre quand même, hein. Ah ouais, je veux pas me plaindre. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ah, ça pue. C'est chez moi que ça pue. La logique. Logique, charisme. Éducation, ça, éducation, ça viendra. Tu vas t'entraîner à faire un discours. Allez, on va faire le charisme. Ça marche bien le charisme. Non mais c'est incroyable. Ah, le P. Charisme, on est 78%, hein. Ah, je vais me tourner vers vous et ça va faire niveau 8. Et, attends, c'est pour commencer le fait qu'elle dorme pas. Ouais, c'est ça. Bon, ça avance. Bon, on a fait deux compétences niveau 8 déjà. Ça torsit du live, c'est bien, c'est cool, c'est... C'est bien. Ça fait presque une heure déjà qu'on a commencé. Vache. On va se taper un niveau 6. Ça. Niveau 6 en charisme. Bon bah tu restes là, hein, tant que tu peux, hein. Donc le petit dit rien. Alors. Ah.
Yanabe, still lame. Dizzy. Ah oui, l'harcèlement sur le gamin, hein, pour l'éducation. Hein. C'est vrai que l'éducation monte vite. Donc, c'est pas mal. Ah, normalement. Toi, t'es fatigué. Oh, bichon. On va faire une sieste, alors. Prêt-il à manger. Voilà, elle a gagné des sous. C'est harcèlement. Nubu. Quoi, t'es pas encore au niveau 5? Tu me déçois, hein. Retire à pisser. Elle est décevante, elle est pas encore au niveau 5, on est d'accord. Ça y est, vous êtes tout calme maintenant dans le chat. Et le gamin, mais arrête de m'emmerder, je veux dormir. Ah, ça veut dire bien. Par où ça passe. Tu vas me cuisiner quoi? Oui, je sais, elle a déjà cuisiné tout à l'heure. Pan de muerto, allez. T'as cassé les chiottes, bah, tu pourras les réparer. Ça, la meilleure, sa cuisine. Vous savez, la cuisine qui passe de 20% en moins de 2. Ah mais non, on est déjà au niveau 8, je suis con. J'ai pas besoin de maxer ça. Enfin, si, je m'en fous. C'est monté trop vite au final, je suis presque tristesse. Tiens, Nunu! Non. Mais Nunu, tu peux venir? Rencontrer ton petit-fils. Maman Nunu. Non mais toi, tu vas t'entraîner au combat. Après tu pourras manger si tu veux. Ouais, choqué déçu, c'est ça. J'ai fait la chambre de mon aîné, j'allais dans son gris. D'accord. Si t'as besoin de retourner là pour téléphoner à ta mère. Mais viens! Où est-ce qu'elle va? Ah oui, d'accord. On est un petit peu envahi par les trucs de poubelle là. Les fleurs de poubelle. Bon, arrête avec les poubelles! Faut tout le temps les surveiller ces Sims, c'est un peu. Et remarie. Ok. Allez, tu vas recomplimenter. Tu vas. Tu vas pas recomplimenter la tenue, ça va faire 3 fois de suite, ça va faire un peu beaucoup. Donc, tu vas la flatter. Tu vas la complimenter. Tu vas. On peut recomplimenter la tenue. Tu vas. Pour le fitness. Ne meurs pas ici, s'il te plaît. Je sais pas, elle se lève, je me dis, elle va crever ici maintenant. Non, pas la pêche, je m'en fous. C'était pas la pêche que je voulais, c'était pour ça. Pas la pêche. Flamand. Rediscuter. Ah! Papa! Il arrête pas de se faire dessus, ce pauvre gosse. C'est ça. Lilin qui est bugué. Qui n'arrive pas à dormir.
Et nouveau Nubu en route, ouais. En espérant que ce soit moins décevant. Gala Moni Hish! Ah, damn so! La logique, tu vois. Elle travaille, hein. Regardez. Elle travaille, hein, ses compétences, hein, en espérant que ça saute pas, parce que on connaît le jeu, hein, qui aime bien. Toutes les 5 minutes, elle dit mais tu sais que t'es bien habillée? Puis on a eu la compétence cuisine qui a passé 20% comme ça en une fraction de seconde, on n'a pas compris. Enfin, moi ça me va, hein, donc c'est dans mon avantage, on va pas se plaindre. Hein. Héroïque complémenté à la tenue. Charisme, ouais, on n'avance pas beaucoup. Ah oui, tu vas lui dire au fait. Oui, Nubu! Elle a même pas dit à son mari qu'elle le dit à sa mère. Franchement. Tu vas la flatter. Je pousse un peu sur le charisme, hein. Vu qu'on a un petit peu avancé dessus. Je me dis, ça peut être bien. Ah, oh, c'est celui que je viens de faire. La meuf me est relou, tu sais. Ah, mais tu sais que t'es bien habillée? Ah, sinon, je te conseille le yoga. Et sinon, tu sais que t'es bien habillée? Ah, mais en fait, tu sais que... t'es bien habillée? J'adore ta tenue. Ça fait 15 fois qu'elle lui dit, j'en peux plus. Ah, c'est complètement nul, les Sims, en fait. Tu peux faire tellement n'importe quoi. Tu peux spammer les mêmes trucs et tout. Ils s'en foutent. Ah, j'en peux plus. C'est pas intéressant ce que je fais là, hein, mais ça motive. Donnez des conseils d'éducation, ça va peut-être monter l'éducation. Gaba Mumri Hitch! La tenue, pour changer. Ça monte, hein, ça monte. Enfin, j'espère que ça monte. Parce que je m'emmerde pas à faire tout ça pour rien. Oh, on arrive quand même presque à la moitié de au niveau de charisme, donc si ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. De temps en temps, on fait un peu autre chose. Salut maman, tu sais que t'es bien habillée ce soir? C'est ça. Visage mort de rigolade. Bah, c'était ma même tenue qu'il y a 5 minutes. Ouais, mais quand même, ça te va très très bien. Un petit peu de bricolage aussi pour changer de sujet un peu de temps en temps. Recomplimenter. Elle arrête pas de lui dire, j'en peux plus. Oh, c'est nul ce jeu. Ah, vas-y, illumine la journée. On va spammer le charisme. On spamme le charisme et aussi la relaxation, le bien-être, tu sais. Un peu de bricolage là, un peu de peinture ici. Et tu vends dans ce temps-là, tu bosses bien tes compétences rien qu'en est parlant. Complémenter la tenue. Ah, Moumoun, t'as faim, chérie? On t'a mangé tout à l'heure. Comment ça, tu veux partir? Non, on va pas être cuisine aussi. Et complimenter la tenue. 64%. Ouais, c'est ça. Ça va, il est minuit et demi. De toute façon, lui, il dort tout, il dort bien et elle dort pas, alors... Voilà. C'est bien, t'auras bien travaillé, Lila. Tu peux manger. Vu que tu t'ennuies, tu regarderas la télé en même temps. Et après, t'iras hypothétiquement te coucher pour hypothétiquement dormir un peu. Allez, jombe, hein.
Bon, elle a un petit bidou, mais elle est de jambes. Hein. Allez, Lila. Allez, Lila. Allez. Après le harcèlement sur la mère, le harcèlement sur le fils. Oh putain. Tais-toi, sale gosse, on s'en fout. Et bouffe. Ah, oh, je te jure. On peut être enceinte d'une explication. Ce harcèlement. Ça veut dire quoi, les jambes? Elle est bien gaulée. Voilà. Allez, Lila. Tout va bien se passer. Bah, toi, si tu t'ennuies, tu peux faire le ménage. Et elle dort toujours aussi nulle. Voilà. Ça remonte pas des masses. Bon, moi, maintenant, l'avantage, c'est que ça descend beaucoup moins vite. Parce que sinon, elle peut rien faire, quoi. Oui, ça vient d'une chanson, allez, Jombe. Hein. Voilà. Massine Sakou, je vais me donner quoi comme prénom pour la génération grise? Ben, pas un des miens. Souris! Après, ça dépend si c'est un garçon ou une fille. Mec, si tu te lèves à 5h du matin aussi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que je sacrifie le sommeil de Lila pour l'éducation? Oui, allez, rien à foutre. Le petit harcèlement sur l'enfant, normal, on est là pour. On est là pour ça! Caillou! Ah, ce mélange orange et jaune orange et violet, ça passe pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais va, touche pas à ça, toi. Vous allez faire crac crac. Faut lui remonter son divertissement, ta femme. Allez, plus vite que ça. Ah ça, le divertissement, il remonte vite, hein. C'est déjà l'anniversaire de Copper. Oh my god, déjà, mais il vient de naître, le machin. Remarquez limite que si elle fait que des siestes, elle ira plus vite pour elle se reposer. Hein. Hop, allez. En dehors quand même. Elle a vraiment une énergie de merde, hein, la pauvre. Brutams qui souvent griffe visage taquin. Oh. Copper, je m'y fais pas. Bah quoi, c'est bien. C'est presque un vrai prénom. Il est content, il a fait sa propre salade. Regardez-moi ces mux. Ah, j'espère que son fils il sera aussi bien bâti. Hein. Mais c'est vraiment... c'est pas possible le fait qu'elle puisse pas se repos, qu'elle puisse pas se régénérer. C'est un peu insupportable.
Là, de toute façon, elle travaille pas. Oh putain, ce gosse. Tu peux pas laisser ta mère tranquille un peu? Harcèlement. Ah non, mais il cherche aussi. Alors du coup, bah nous on harcèle. Hein. Il hurle, bah on va le harceler. Dans tes dents, Copper, vaillant. Rien, il est bien foutu, le petit Dan. On n'a pas choisi le plus moche, hein. Non, il n'y aura pas de mimolette. Plus j'en ai acheté, j'ai déjà tout bouffé. J'ai pensé à vous quand je suis allée faire mes courses. Je dis, oh tiens, il y a de la mimo. Doudou. Est-ce qu'on reste jusqu'à l'accouchement du deuxième enfant? D'ailleurs, tu lui as toujours pas dit. Troisième trimestre dans 23 heures. Déjà? Ah ouais, elle était vachement contente. Allez, va! Il y a beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Attendez. Il est où le... L'éducation. 5, bientôt 6. Elle avait bien sûr 0 avant d'accoucher. Et tu vas me manger. Tu ne peux rien contre la volonté du chat visage décidé visage révolution. Du chat? Tiens, tu iras faire une sieste après. Et mignon, lui, il va faire le ménage! Pour moi, tu seras à quelque chose, mon petit. Bah, t'éponge! Ta femme, elle a fait un peu à côté. Quelle histoire? Ouais, qu'elle fasse une sieste ou qu'elle dort dans son lit et elle récupère pareil. Hein. Non. Du coup, il bosse pas le week-end non plus. D'accord. Ouais, fais le ménage. Écoute, t'es bon qu'à ça. Hein. Voilà, va faire ça. C'est bien. Est-ce que les poubelles dehors, tu peux les vider? Ouais, allez. Taper dans le ballon de foot, bah non. Bah remonte un peu dans le verre, au moins je rejette là. Oui, ça c'est bien. Il y a ton fils qui t'appelle. Il veut se faire harceler de nouveau. Petit enfant. Écoute au désir du peuple. Le peuple veut Mimolette, ce sera la plus belle. Mimolette l'héritière. Oh la vache. J'en boufferai moi de la mimolette, hein, si c'est... Mais quoi, tu veux pas un garçon héritier, Marie? Je suis tristesse. Et niveau 6. Oh putain! Nunu est morte! Ah non, c'est le père. On s'en fout. Oh putain, il va y aller. Non, il va y aller. C'est bon, elle... Mais quoi? Mais pourquoi le bébé, il a son téléphone qui sonne? Mais quel est... N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, j'en peux plus. Quand t'es un nouveau-né, tu n'as pas de téléphone portable, on n'en est pas encore à ce point-là. Hein. De plus en plus tôt le portable, c'est ça. On peut appeler un mec mimolette, ça... Ouais, non. C'est forcément pour une fille, la mimolette.
Sinon, un garçon, ce serait la demi-molle. La mi-molle. Qu'est-ce qu'on se marre très fort dans cette vie? Ces jeunes et leurs smartphones, ah ouais, non mais franchement, ça craint. Hein. Qu'est-ce qu'il est parti faire lui? Ah, il est parti courir. Il va nous taper un 6 en niveau fitness. Hein. Il y aura une petite promotion après. Oh, le gosse! La 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 la. Comment ça, trop d'action? Mais non. Oh, beau papa, il est... Bah t'inquiète, Nuage, elle va pas tarder à rejoindre beau papa. Je pense. Parce que bon, Nunu, hein, voilà, hein. Mère adorée. Oh là là, carrément. Mère adorée. Eh, les petites crapules. Et vous, vous adorez votre maman? J'ai pas l'impression. Tu me fais un petit niveau 8, s'il te plaît, un niveau 8 magique, là. Tout à l'heure, c'était magique avec la cuisine, maintenant, ça ne l'est plus. Hein. On galère. Hein. Charisme est bientôt niveau 7, quand même. Hein. Elle va faire un petit pipi. Merci beaucoup, Bale, pour ton follow et bienvenue à toi. Hop, 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 hop. Un petit truc à prout, là, ça pourrait être... Non, mais lui, il est déjà reparti se coucher, 20h30. Oh, bichon. Oh, va te prendre une petite douche tonifiante. Tu l'as eu, ton niveau 6? Même pas. Il a même pas eu son niveau 6 en fitness, non mais quand même. Tu me déçois, là, Daninou. Ça va, mon cœur. J'ai un petit loulou qui a faim. Un bébé. Allez, encore un petit peu, mon cœur, et puis ça ira mieux. Tu sais que tu peux regarder la télé, en fait, en même temps. La télé! Je les exploite, ces pauvres Sims, c'est incroyable. Des bisous, Camille, à bientôt. Bonne soirée à toi. Et ben voilà, un petit niveau 6. Ah, elle commence à être fatiguée, la petite. Hein. Allez, tu vas faire une nuit normale après. Elle accouche quand? Il me cherche aussi, lui. Hein. Ton fils, ton prout-prout. Voilà, prout-prout. Va t'occuper de ton fils. Allez, allez. Le harcèlement continue, continue, continue. La 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 la. Et les voisins qui refont la... Ouais, donc elle pourra pas se coucher très tôt non plus. Bon, on va faire le deuxième accouchement, hein. Salut Sam, comment tu vas? Ça va bien, toi? On va taper le deuxième accouchement, hein. Donc on est dans la lignée, là. On aura les deux enfants, comme ça, on sera tranquille. Donc, soyez dispo. Sans prise au piège. Ah mais tant que les voisins ils font chier, elle va le harceler, ce pauvre gosse. Elle est pas prête d'avoir le niveau 7. Oui, pareil, mais c'est pas grave, elle en fera une.
Ça sert à rien, c'est dommage. Vas-y, je me lève. C'est pas grave. Ça lui fait peut-être gagner du skill, ça met une grenouillère. Qu'est-ce que tu fous là? Ça va, hein, ils sont bien. Hein. Ah, on peut rien dire? On peut pas toquer chez eux. En fait, il y a personne, mais il y a quelqu'un. Ouais, elle est toujours au grill. Pauvre lavande, va. Vie de merde qu'elle a. Va pleurer. Ah cool, bah viens pleurer aussi toi. Allez, tout le monde au lit. Yadepo. Allez, va dormir. Tout le monde au lit. Fatigué de ma dernière journée dans mon taf actuel, j'ai fait un 7h22h45 pour tout bouc. La vache. C'est énorme comme horaire. Ma pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Ah oui, puisqu'il pleurait. Eh, hey, tout le monde dort. Alors lui, il remonte de 3 et elle de 1. Hein, on commence à être habitué. Dans le même lit, c'est logique. De toute façon, le petit, il va sauter là. Parce que bon, elle peut pas accoucher alors que le bébé... Ah non, on est même pas encore au troisième trimestre. Oh. J'ai pas de patience pour l'enfant aujourd'hui. Regardez-moi dans quel état elle est. Voilà. Copper a grandi, il a les cheveux de papa. En même temps, le rose n'existe pas pour les bambins. Et toi, arrête de danser, tu vas peut-être manger tes petites boulettes, puis tu retourneras dormir. Copper a grandi, il a les yeux de maman, un bleu vert très beau. Il est tout mignon, ouais, tu sais. Petit Copper, petit Copper. Petit loulou d'amour qui se frotte à ma... truc. Voilà! Copper a vieilli et il sera 1 et 2 et 3. Charmeur! Il a pas de lit. Cet enfant. Voilà, c'est bon, ça sert à rien d'avoir un lit à cet âge-là. Ouais, c'est vrai qu'avec deux enfants, la semaine prochaine, on déménagera. Sachez-le. Ça va être un live très long et chiant la semaine prochaine. Où on fera un... Ah bah voilà, Orange. On fera une maison. Enfin, du moins... Il faut des jouets. Ça peut être intéressant, des jouets. Qu'est-ce que t'as dans ta... T'as rien? T'as ramené aucun jouet? Pardon. Oh, ils sont des mamours. Vous avez pas marre quand même? Oh, pardon. Mais toi, tu peux aller voir ton fils. Raconter une histoire. Ah, on a une baignoire, j'allais dire. Merde, oui, j'avoue. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux réconforter. Eh, elle va retourner dormir parce qu'elle dort pas. Le petit chouchou, j'ai une question. Faut le rendre au calme. Oui, oui, bien sûr, on va le relooker après. Le 1er septembre, nouveau poste. Ah, GG! J'ai une question. Est-ce que l'un de vous a déjà gagné à la loterie? Non, moi, jamais. En même temps, il faut que j'y pense déjà. Ah,
Alors, petit coucouyou. Oh, ça va. Ça va, Yipsum. Oh. Tu vas jouer avec ton fils? Eh, on va jouer après. On va jouer après. Sam, on l'a vu en live. Je mettrai le morceau brut, hein. Je vais pas me faire chier à faire du montage, il y en a, ils le font pas, à faire des zooms et tout, donc pour que 300 personnes regardent, alors que les autres, ils auront 5-10 000 vues. Bref, je vais mettre ma vidéo qu'on a vue en live, je la mettrai tout à l'heure. Voilà. Tu verras ma réaction. Ouais, wouh, il est content, Dan, ça se sent, hein. Bon, je suis contente parce que le premier, quand même, enfant, il a les beaux yeux. Il a les yeux qu'il faut, regardez-moi ça. Mais ce garçon, il a le t-shirt rose un peu violet, enfin, je veux dire, ça lui va bien. Faut pas garder. Toi, t'as pas de cadal? Tu me diras, on aura des cadeaux dans la boîte aux lettres, donc je vais attendre. Il est là, qui ne récupère toujours pas, qui ne dort toujours pas. Les bons yeux, mais pas le bon prénom. Mais si, mais c'est très bien le prénom, mais pourquoi vous voulez pas ce prénom? Oui, papa aussi a des beaux yeux, évidemment, mais... Je préfère encore plus la couleur bleu-vert, quoi. Alors, tu vas déambuler. Tu vas babiller pour toi-même. Ah, il y a un jouet. Mais j'ai oublié qu'il y avait un jouet, là. Faudra partager avec ton petit frère ou ta petite sœur. Il y a plein de bouffe dans le frigo. Ça va, ça y est, elle peut prendre des... Ouais, super, elle pourra prendre des congés. Elle va pas travailler, moi, je vous le dis. Tripe. Elle fait des gosses à la place. Tu te mets en vert ou quoi? Parce que c'est un... Mais c'est infernal, hein. Ah, vas-y, tu vas te lever. Tu vas bouffer ta dernière potion, là, parce que là, tu me saoules. Ouais. Heureusement qu'on peut tricher avec ça, quand même. Franchement, pourquoi ce choix? D'ailleurs, c'est débile. Oui, le trailer, en tout cas, donne pas envie. En tout cas, pour moi. Mais lève-toi! Ah, maintenant, elle va mieux. Alors, discours. Charisme. Hop, zou. Après, tu feras d'éducation avec ton chien. Ah! Oui, mais non, j'ai compris! Oh, ce foyer, il est full bug! Mais pourquoi tu veux boire, toi? Va prendre ta douche, oui, j'ai compris. Bon, ce tapis. Mais dès que je touche le tapis, ça fait sauter le gosse, vous avez remarqué? Hop là! Ressaute. Il est déjà qui galère à se lever. Mais c'est quoi ce jeu? Oh, saleté. Oh, bon sang de tes morts. T'iras bouffer après. Je préférais quand tu faisais des bons, hein. Petit con, va. Là, il faut un pot pour le gosse. Ouin, j'avais zappé. Il faut un pot pour le gosse. Il faut un pot pour le gosse.
Werk. C'est moche le orange. Alors, tu vas nous taper un petit niveau supérieur là en charisme? Allez. Un petit niveau 7 là. C'est bon, il a assez grandi, je pense, ouais. Il va devenir papy à force. Mais là, ça tiendra bien à voir bien qui s'appelle. Il? Pourquoi il? Sans tant qu'elle a pas des filles, au moins deux, ils feront des gosses, hein, moi, je te le dis. Hein. Allez, va pisser, hein. Sinon tu vas être moins compétente. On connaît les gens comme toi. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ton gosse tranquille. Toi, tu vas aller courir. Hop! Fais voir le petit. Ah bah trop tard, il s'est chié dessus. Bah c'est pas grave, du coup tu vas encore t'entraîner à... Parce que j'allais le mettre au pot, mais il s'est chié dessus avant, donc bon bah tant pis. Hein. Allez, niveau 7. On y est presque. Ok. Bah, et c'est pas possible, elle gagne plus maintenant en compétences. Pourquoi le jeu il me fait ça? Pourquoi le jeu il me fait ça? On peut choisir un futur prénom. Oui, non. Ouais, c'est un vote. Donc ceux qui partent, eh ben, ne pourront pas voter. Ça va, loulou? Dis à la maman. Il veut pas que je l'attrape. Il fait des bons comme ça. Oh loulou. Ma cocotte. Vas-y, il reste 2%. Allez, Lila. Allez, c'est bon, niveau 7 en charisme, là. Allez, tu pourras manger après. Ta récompense. Allez, manger des œufs brouillés. Moi aussi, après. Je sais pas quelle... 23h. Je pourrais manger après. Allez. C'est long. Oui, niveau 7. Il reste qu'un niveau pour le charisme et on aura fini une nouvelle compétence. On est à combien de compétences? 1, 2 et 3. 3 compétences niveau 8 pour l'instant. Nous sommes à mi-chemin. C'est calme d'un coup. Jouer dedans? Dans quoi? Dans la poubelle? Mais t'es pas à la poubelle, espèce d'idiot. Alors, tu peux me jeter ça, recycler. Et t'iras donner un bain de mousse à ton fils. Bon, il en a pas besoin, mais c'est pas grave, ça t'occupera. Ah, quoi, donner un bain, ça fait quoi? Ça fait de l'éducation? Parce que dans ce cas, c'est elle qui va le faire. Regardez ce petit chou. Non, il est pas triste parce qu'il est maltraité. Il est triste parce que son papy, il est parti. Enfin, je connais son... Ouais. Non, le tout fait que ce soit que Lila qui s'en occupe. Ouais, bah, elle doit aussi s'occuper de ses compétences, tu vois. À un moment donné, c'est plus possible. Non, laisse tranquille. Tu finis de bouffer, Jeannette, là? Ou t'es tombée sur une assiette magique encore?
Non mais elle est tombée sur une assiette magique, je me fais avoir à chaque fois. J'en peux plus de ce jeu. Ben des bisous Sam, bon courage à toi quand même, profite de ton week-end alors. Hein. Du coup, ce qui vient d'augmenter l'éducation, une bière de coup, oui c'est ça. C'est pour ça. Elle va le foutre, oh. Elle va lui donner, enfin bref, elle va le mettre au pot quoi. Allez bichon. Non. Bon, bah, barre-toi. Bah, en plus, tu vois, ça a même pas pris en compte. Donc, tu vas t'occuper de toi. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas prendre une douche. 18h, t'es même pas habillée. T'es pire que moi. C'est pas au chômage qu'elle est, Lila. C'est. Alors, qu'est-ce que je pourrais monter encore? Bah, charisme, c'est la prochaine que j'ai envie de monter, mais ça va être long, 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 sa mère. Bien-être, on peut pas, puisqu'elle est enceinte. Éducation. Éducation. Elle va lui faire des leçons de morale. Le gamin, il a 2 ans, il marche à peine. Elle va lui faire des leçons de morale. Alors, tu dois dire pardon, tu dois dire bonjour, tu dois dire merci. Bonne nuit, Nosir. Bon, sous quelles conditions tu gagnes 2500? Il y a un gars qui va me donner un héritage. Oui, oui, je sais, Alex. C'est relativement récent, ce truc-là. Et moi, j'avais fait ça avec mon premier... Bah, là, avec le Legacy. Et comme ma matriarche, elle n'était pas mariée avec son copain, bah ils se sont mariés juste après et ils ont gagné les 5000. Mais c'est pas une si grosse somme, c'est que 5000 quoi. Ah, oh, c'est pas énorme. Tu fais ton truc là? Allez, encore un peu. Attention, ça va sortir. Ah, le petit tremblement me fait toujours rire. Ouais, tu vois, 5000. Ils te disent, ouais, c'est une grosse somme et tout. Et puis après, t'as 5000, tu fais. Ah. Oh, bon, 5000. Et voilà, ça a sauté. Merci le jeu. Hey! Bon, je vais un peu en accélérer, hein, parce que c'est pas très intéressant de voir juste son éducation à elle, sa compétence. Bon, le gamin, lui, il a des compétences 2 au niveau... c'est bien. Il gagne en résolution de conflits et tout. Elle, elle monte petit à petit en éducation. Pas envie de dire une grossesse express, mais une naissance sur le gamin. Et il est né, il est devenu bambin en fait en si peu de temps. Non mais meuf, tu continues, wesh. Voilà, ça c'est bien. Éducation. Prêt à dire s'il vous plaît, merci. Ouah, comment ça a augmenté? Allez, petit niveau 7 là. Petit niveau 7 là. Niveau 7, ouais. Bah oui. Moi j'ai de l'espoir pour ce gosse. Il ira peut-être loin dans la vie, hein, même si c'est pas une fille. Oui, non mais bien sûr. On a déjà eu 2 héritiers hommes, alors on n'est pas à ça près. C'est juste que, voilà, j'aurais préféré avoir une fille en prime, je sais pas. Tu as le droit d'orienter le sexe du bébé en mangeant des carottes. Je pense que c'est autorisé, mais moi je préfère avoir la surprise, voilà. C'est beaucoup plus sympa en fait. Le jeu, tu fonctionnes ou... C'est bon, niveau 7. Au début du live, je vous rappelle qu'elle était à 0 puisque elle n'avait pas encore d'enfant. Trop
trop facile. Éducation. Encourager. S'il vous plaît, merci. Stevie. Abenor. Boxen. Et on sait, et on connaît que le sexe et le nombre à la naissance de l'enfant, du coup. Alors, elle a 8%, elle fait ça, elle est contente, et elle a 15%. La vache, ça fait gagner 8%. C'est énorme, un peu, quand même. Donner à manger à partir de l'inventaire. Une rose. Tu vas pas bouffer une rose, pauvre gosse. t'as besoin de quoi, petit? Il est fatigué. Ah, et puis il a faim. Alors, tu vas lui donner à manger à ce pauvre enfant. Tiens, plat de pâtes. Prends une portion pour Copper, allez. Pendant qu'il mange, t'iras pisser. Tiens, mon fils, mange. J'ai des bons macaronis que maman elle t'a fait avec amour. Tu peux me jeter ça aussi? Parce que c'est une assiette magique alors. Mais c'est Lila, tu t'en sors, c'est bien ce que tu fais. Pendant ce temps-là, tu vas proposer à ton homme de toucher le bébé, tu vas partager un secret. Tu vas partager l'esprit des Netflix, on s'en fout. On regarde... Oh putain, les voisins, c'est pas possible. Hein. Est-ce que tu peux augmenter ton charisme? Ouais. Bah, spammer le charisme. Discuter de la tristesse. Flatter. Donc le petit mange. T'as fini de manger? Ils sont en train de s'engueuler à côté. Climbo. Oui, il a fini. Non! Bon. C'est pas possible. Pourquoi je peux tricoter des grenouilles pour bébé en cliquant sur le lit du bambin? Ah, quand les voisins ils s'engueulent, en vrai tu peux plus parler à ton mec. C'est comme ça que ça fonctionne dans votre vie. Vous êtes chelou, vous. Merci Chalouxine pour ton follow, bienvenue à toi. Faut qu'ils mettent le bazar, qu'elle puisse le gronder. Ouais, aussi, ouais. Mais vous êtes que... J'en ai marre. Ça va pas assez vite, ça me stresse. Je vais mettre le bazar, que ta mère elle t'engueule. Oh, petit bichon, il s'est endormi, le petit cœur. Avec ce cul à l'air là. C'est mignon. Futur séducteur. Vas-y. Il est en train de parler et elle fait et hop, elle lui roule une grosse paroche. Elle va coucher le petit. Toi, tu peux manger, pisser. Manger aussi. Tu vas quoi? Là. Ça, c'est pas magique. Et merde, j'ai encore bougé le tapis. Et je bouge le tapis, le gosse, il pop. J'en peux plus, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, mais je sais, oui. Ah bah, il a atteint l'âge de 200 ans, hein, là, c'est bon.
Les signes, ça t'a... Oui, non, voilà. On va dire ça. Oui! Oh, j'avais pas vu les lunettes roses! Magnifique. Ah, t'es magnifique, notre fils. En plus, il est orange en haut et violet en bas. Il a tout compris à la génération, lui. Il fait vraiment partie d'une autre Sobéry. Un moment? Il me fait la gueule du tout. Moi aussi, j'ai fait un chéri, hein, je te ferai dire. On va taper sur les 2 heures de live, là, aujourd'hui. Hein. On fait la naissance et puis on s'arrêtera là. Oui. Farfa l'éducation. Ah là là. The hair rush away. Narsko canafe. Zaffle. Maybe. Love break. Après, va falloir aller se coucher, les enfants. Risharibo. Amibi Bahira. Oh, oh, oh. De toute façon, toi, en 2 minutes, tu t'es reposé, mais pas elle. Hein. Ça va, elle n'est pas encore trop crevée. Hein. Oh, Demis. Lissarak. Mini la journée. Frouk. Chasiné Clank, Slanaga. Garabu Brobfrosh. Tu montais la tenue. Et ça saute, bien sûr. Vous avez remarqué que j'ai fait ça pour rien. Flatté. Yogari. Non mais tu manges des trucs pourris. Bah écoute, c'est toi qui vois. Hein. Ouais. Ouais, toi aussi tu peux être couché. On se demande pourquoi il y a un autre lit dans la chambre. Mais qui c'est qui dort avec eux? C'est en fait c'est pour elle parce qu'en fait elle n'arrive pas à dormir. Allez. La soirée Netflix c'était horrible. Oui. Faudra que je les enlève ça, les soirées Netflix d'ailleurs. Je sais pas. Ça va pas très vite, si? Oh! Ah bah, ils ont disparu! Il y avait 15 000 paquets d'ordures! Ça va être l'anniversaire de Dan. Dan! Dans Villarreal. Et elle va téléphoner pour raison familiale. La meuf qui bosse plus quoi. La meuf elle est tellement enceinte tout le temps qu'elle travaille plus. Tiens, tu retourneras aux toilettes et tu retourneras te coucher. Mais c'est bon en fait, non? Endeuillé perd une amie, genre. J'avoue pourquoi. Pourquoi quoi? Si j'en sors tellement à la minute, je sais plus de quoi tu parles. Non mais là... Non, non. Il y a que la première génération, j'en ai fait que deux. Et puis après, on en a fait un, parce que c'était la génération jaune. Et après, on en a fait trois. Eh, parce que en fait, elle dort pas dans le lit. Elle a que un truc, alors que lui, il se repose par trois. En fait, elle récupère pas en dormant, pas assez vite. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le même lit qu'il avait avant, Dan, parce que lui, il arrivait à bien dormir, elle avait réussi à bien dormir dedans, mais en fait, ça marche pas non plus. Ok, bébé numéro 2, déjà. Eh bien. Viens, Georgette. Vous êtes encore beaucoup dans le chat. Pour savoir pour les votes, tout ça, si vous êtes encore pas mal ou pas. Est-ce que vous êtes beaucoup? Est-ce que vous êtes motivé? Après, on arrête le live. Promis. Oui! Attention! Attention! Vous êtes deux au moins, c'est ça. Poussez, madame, poussez. Go pour le prénom, on va déjà voir ce que c'est, hein.
peut-être un monstre, hein, on sait pas. Vous êtes trois. Et c'est une fille! Ah, oh, ça va mieux comme ça. Hein. Alors, en prénom, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver? Capucine, Aurore, Cannelle, Clémentine, Mimolette, Orangina. Et on avait pensé à Sunset la dernière fois. J'avoue que Sunset, moi j'aime bien. Sunset. Ah oui, automne! Automne ou... Ouais, automne. Alors, à l'anglaise ou à la française. Alors, il y aura Sunset, automne et... Cannelle? Non, pas Mimolette. Non, j'ai pas envie parce que si tout le monde vote pour Mimolette, je suis pas dans la merde. C'est fini. Les votes sont... Automne! Ah bah... Pour ceux qui voulaient au Sunset, vous n'avez pas voté pour quoi? C'est Automne qui gagne. Oh, je suis contente. Hop. Et c'est donc Automne Rainbow. C'est moi qui ai trouvé Automne. Je suis contente. Et elle est seule! Je vois tout Sprout. Elle est bien du toute seule avoir un bébé. On va voir si ça marche encore. Comment ça t'as bugué? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Elle est pas cliquable, ma gosse. Ma gosse, elle est pas cliquable, regardez! Je pense qu'il y a encore un bug de berceau. Oh merde, j'ai une petite sœur! Trop nulle! Merde, j'ai touché le tapis. Il va repoper. Tu pourras prendre à Copper à aller sur le pot, s'il te plaît. Bon, c'est vrai que... On va s'arrêter là. On va les mettre sur le pot et puis c'est bon. Leurs doigts ont ripé, ils voulaient cocher Mimolette, c'est ça. Il y en a combien quand même? Il y en a 5 votes pour Mimolette, mais Automne a raflé tout le score, attends. Eh. Allez, mets-le sur le pot. Garçon-fille. Le choix du roi. Des gros bisous Céline! À ce week-end. Je pense. Voilà. Bon, et ben ma cocotte. Tu vas pouvoir aller manger. Je suis sûr, YouTube, ils préfèrent tous Mimolette visage qui tire la langue. Je pense pas. J'ai envie de continuer, mais on va s'arrêter là parce qu'on est arrivé à 2 heures de live. Donc, j'enregistre. Elle va s'asseoir. Voilà. J'enregistre là, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Note Sobéry. Merci YouTube d'avoir suivi ce live, cette rediff, pardon. Évidemment, voilà, 2 enfants, 2 grossesses. On est chaud pour les compétences, on est chaud aussi. On se retrouve la semaine prochaine si vous voulez venir en live. Et bien, c'est les jeudis où on fait le Note Sobéry sur Twitch. Vous êtes tous les bienvenus. Des gros bisous, à très bientôt. Ciao.